sans cette sainte histoire d'un divorce Hitler. Alors qu'à téléphone, il faut tout casser. À l'angle, tout le monde, anesthésie. T'as dû dire que Simon était avec le gars à Eddie l'autre soir à la club. Anastasie, c'est de la mauvaise information, ça. Ça aurait dû être un check d'autre que Simon. Depuis que mon gars sort avec Yen, il sort plus avec personne d'autre. Ça fait des fois 4 mois que ça va. Presque tous les jours. Priscille, faut que je t'avertisse à propos de cette fille-là. Ils m'ont dit qu'elle sortait avec des gars en cachette. La pêche. La semaine passée, elle a sorti avec le gars Ludé. À Ludé? En apparence que ton gars-là, il aime à broussailles. Ils sont rêves, chum, n'est-ce pas, Séraphine? Ah, ben toi. Quoi? Toi, t'as rien à dire. Henry et toi, vous avez jamais eu d'enfant. Alors, pour parler de Henry, je suis divorcée, puis ça finira là. Priscille, pourquoi tu fais tes points d'une miette trop grande? Ben, si tu peux faire mieux, toi, Agathe, montre-moi. Tu sais comment piquer. Avoir le but de direction. Avez-vous su pour Madeleine? Son nom y a été fait contenu. Ça m'a fait pitcher quand je l'ai vu avoir au bingo avec ça. Je vous dis, si son nom boive à moine, il n'aurait pas acheté ça. Il aurait pensé aux enfants ou à vim. Tu peux pas affider un fur coat à une bande d'enfants ou à famille. Ben, c'est de même qui sont les hommes. S'ils gâteront les femmes avec des petits nick-nacks, ils seront moins critiqués par leurs femmes parce qu'ils souleront avec les autres boys. C'est comme ton nom, ma gars. Il va tous les soirs à la shop à Antoine radoter avec les autres hommes. Ben, c'est tout ce que Zachary a à faire. Tu sais, je ne suis pas toute innocente comme toi, Priscille. Moi, quand je dis à mon homme de rester à la maison, il reste. Même quand ce que Luc Anselme essaye de l'endraguer. C'est point mon Luc qui le fait sortir. C'est le chum qui l'influence. Non. Mon homme, il veut rester au lever. Ton homme va s'arranger une journée puis tu le vois un peu. Je t'avertis, il va lever les bottes. Tu peux point tchèler nous, maman, à une patte de poil toute sa vie. Il n'y a point d'envie. Mon homme est point comme que le chum était. Il fera les points des nuits de temps, lui. Rien qu'à cause qu'il l'a attrapé une fois sur la petite Américaine, ça veut rien dire. Ah, t'as vraiment su, toi. Quoi? Qu'ils l'ont surpris les culottes à bas. Ah! Moi, je m'en veux. Je ne suis pas adressé à la gueule jusqu'à la dernière gonfle. Il est tard, maman, moi et tout. Ben, y'a pas de fraise. Annette, reste plus longtemps. Non, je veux pas trop payer mon babysitter. Je veux pas assez d'argent pour la part de là-dessus. Oh, je crois pas que vous pourrez tailler des plus avec ta couverte, Anastasie. Ni moi. Ça m'intéresse plus à parler de rien d'autre. Ben, demande au soir que pourrions aller coacher de la couverture à Gat. Oh, non, vous accueillez-moi point ça. La dernière couverte qu'ils ont piquée chez nous, il avait craché du tabac dessus. Il brumasse, ben, faudra que je m'en aille, moi et tout. Une barre à coups de ligne demande, je devrais avoir de quoi de plus s'intéresser à nous dire. Bonsoir. Bonsoir. Bye, Serafiaga. Les femmes, vous avez donné le jus, nous demandons soir. Thank you.
T'es l'autant que vous jetez? Arrive, mon gosse. Tennis, t'en souhaites-tu de Carole ici, toi? Oh, ouais, la Carole. Bien que t'es rendu belle, toi. Bernard, t'as pas demandé à Maria Cancao. Même qui voudrait se mettre à Strapon à cette heure. Ben, quoi dire, là, moi, là, on commande pas d'être mariée. Écoute, toi, c'est clair qu'il voulait qu'il la marie pour qu'elle la vive avec. Il n'y en avait pas que le monde pas mal d'hier. Son coin, son autorité, hein? Séraphie, tu le croiras pas, mais j'ai de la bonne nouvelle pour toi. Tu t'en souviens 3 ans passés que le jeune Bernard du docteur Nicolas Lafille a du stone? Ouais, Carole. Tu t'en souviens quand il avait décollé au ouest? Ben, ils sont revenus. Ça pas encore un Paris 7, hein? Oh, non. C'est de mal. Non, je te mens pas. Ils sont encore à la vieille maison d'au côté. Non, c'est de mal. Qu'est-ce que la maison s'en va dedans? Regarde des bords et ça, là. Regardez pas la poussière parce qu'il n'y en a pas de tout. On en va bien. Puis la plus belle, je crois qu'elle a l'eau restée. Ouais, j'ai la vie tout grand ouvert. Tu vas? Ok, je te dis. C'est une belle table de cuisine. Ça chambre de quoi de l'Amérique? On a pris ça au west. Oh, ça fait que vous avez pas aimé les cowboys là en haut? Il fait beau par là, mais on peut pas rester loin toute sa vie. Je vois ce que tu veux dire. Carole, ben on les a aidés. Pour voir elle. Oh, j'avais oublié d'offrir nos services. Voulez-vous de l'aide pour rentrer des vases ou tu as qu'à faire? Non, merci. As-tu attendu ce qu'ils avaient dit, Agathe? Oui. On va lui raconter ça à Anastasie. Qu'est-ce qu'il a vendu? Tu ne croiras pas, Anastasie? Quoi? Vite! Oh, sérieux? Il a vendu qu'il avait été obligé de s'en revenir par ici, qu'il n'était plus voulu là-haut. C'est-il vrai? Il n'avait pas voulu nous laisser voir là-dedans de l'humain. Oh, ben, il y a rien à voir dans ce vieille chatte-là. Je me demande si ces deux jeunes-là sont de la même race que Denis. Ils sont bas le pays. Ça me ressent point que le docteur Nicolas laissera son gars rester avec cette fille-là. Il sait bas le point qu'ils sont venus. Eh, ouais. Mais c'est pas à moi qu'il irait dire non plus. Maintenant, s'il y a quelque chose de drôle là, qui se passe entre ces deux-là. Disons, il n'y en a personne. Faut que je sais aussi que c'est que l'affaire avait. Faudra le découvrir. Absolument. Faut que je téléphone au CC, là, le croire jamais. Ouais, Astol. Moi, je vais aller, moi, je parle avec. Faut aller voir Annette une minute. Faut voir et vite. Tu prends la vie aisée, Denis. Non, c'est Claire et cette là qui m'a tordu le bras pour venir me parler. Hello, Carole. Hello, Claire. Puis, comment ça vous est accoutumé à la maison? Oh, ça fait un pilote, hein. Je suis fier. Faudra faire un petit time à chic-té, on célébrer ça. Ouais. Pour un gros time. Ouais.
pourquoi pas de soir? Vous faisiez? Mais rien dans la tête. Oui, t'as jamais rien dans la tête. Mais moi, je vais en dire à deux, trois autres, puis faire un goût scrap de soir. Ça sonne bien. As-tu d'autres bien? Non, c'est tout ce que revient. Moi, je passe par le vendeur à mon allée, hein? Ah. Oh. Ben, attends, là. Ma porte-là, ma deux caisses de bière. Oui. Non, avec le reste. OK. Voir autre soir, all right? OK. Voir autre soir. Oui. Bye. Je ne sais pas par un guéri là-dessus. As-tu vu, c'était là, Joseph, dernièrement? Il profite en thé? Pas mal mieux, oui. Qu'il est tenu, Camille. Côté que ça! Il n'avait pas un vœu. Allô? Allô, monsieur. Oh, c'est toi, gars? Quoi? Tu me dis pas. Bernard qui t'aime pas trop au magasin. Il est à mal dopé. T'es point sûr? Ben, moi, je crois qu'un gars qui reste avec une belle jeune fille de même se dopera avec n'importe quoi correct pour l'impressionner. Est-ce au magasin? Oh, Zachary. Ben, ça doit être vrai comme ça. Non, il n'y a personne ici. C'est vraiment des drôles de jeunes de Marie-Claude. Oui. Ben, tiens-moi au courant, OK? OK, bien sûr. Bye. Comment est-ce que ça va avec mes voisins à Maton? En pleine forme. Vous êtes vraiment chanceux d'avoir une grande maison. Ça me fait plaisir de voir du monde ne vivre dedans. Comment est-ce que vous êtes de personnes à rester ici? Rien que moi puis ma femme. Oh? Quoi, vous étiez une grosse gang? Non. Ben, faudrait que je m'en fous, je vais manquer la maison. Oui, t'es pour t'avoir. Pire, Pierre aimerait pas trop je manquer de maison. Faut pas oublier les pauvres hommes du purgatoire. Ben non. Je peux plus vous parler, je dois absolument que je m'en aille. Pourquoi prendre ton temps? Vous comprenez. Et comment peux-tu comprendre pourquoi est-ce que mon frère ça va à mort avec une affaire comme ça? Ben, à notre réveil, Claire et Carole, là, prenons une petite break.
Ben, moi, là, je crois que boire un autre vieil. Ben, non, pas réveiller nos femmes. Worry Kwan, je sais comment il parle à l'oreille, moi. Oui? Non? Oui? Oui? Non? Oh, mais quelle bonne surprise! Qu'est-ce que vous étiez en train de faire? Des appels aux malades. Bonjour. Père Pierre, on a besoin de votre aide avant que vous vous en alliez sur votre retraite. Qu'est-ce que je pourrais faire pour vous? Espace de poids de grave dans le village. Pas encore. Mais c'est un péché mortel. Le prêtre n'aura peut-être pas le temps de le régler. Vous savez, il sera pas mal occupé en arrivant. Quel est votre problème? Mais c'est à l'égard du gars docteur Nicolas, la fille Justine. Bernard et Carole? Oui, mon père. Ah, je ne veux pas les accuser, tu comprends? Leurs parents ont essayé beaucoup de les élever. À quoi veux-tu en venir? Vous en souvenez-vous 3 ans passés quand le jeune Bernard a disparu une nuit d'été avec Carole? Oui. Ça, c'était vraiment irrespectable de lui. Il aurait pu au moins le dire à ses parents avec nous, même à ses amis, pour qu'on sache d'avance qu'il allait faire ça. Ah, je ne veux pas te dire pourquoi je pense qu'il avait fait ça. Mais j'avais entendu dire que Bernard aimait se coucher avec Carole. Mais vous savez comment est-ce le mot parle par ici? C'était trop compliqué pour juste Crabonne. Quand même, c'était un péché mortel, puis j'ai été prié ben des fois pour que Dieu les pardonne les fesses raisonnées. Maintenant, où il avait resté là 3 ans. Sont-ils revenus? Oui, mais je t'ai pas dit ça. Non. Mais je suis content de savoir qu'ils ont décidé de revenir. Est-ce qu'ils sont en bonne santé? Non, ils sont pas même mariés. Puis en plus, ils se dopent. Ils se droguent? Oui, mon père. Ils ont rencontré les autres hippies de Vancouver. C'est venu que je ne peux plus dormir les soirs. Ils restent dans la maison juste aux côtés de la mienne. Puis des fois, je n'attends plus rien pour des heures de temps. Ça m'a peur. Oh, mais si mon dernier homme sera devant à mes côtés des fois. Ne vous en faites pas pour eux. C'est à leurs parents de s'en occuper. Ben, ça me semble que leurs parents auraient eu une discussion avec eux, mais je les ai pas encore vus là. Alors, je vais aller voir Bernard et Carole. Non. Hein? Vous savez, mon père, j'ai beaucoup réfléchi avant de venir ici. Je crois que la meilleure chose, ça sera que vous alliez en discuter aux parents. Il y a encore de l'espoir, je crois, bon, à travers les parents. C'est très bien. Ben, faut aller mes prières à cette heure. Si vous avez besoin de mon aide, laissez-moi savoir. N'en parle pas à personne, hein? Oh, personne n'est au courant. Je cache les péchés de la paroisse, moi. Alors, bonjour. Bonjour. Des fois, avec cette rhumatise ici, ça me fesse dans les doigts. Puis je te dis que je peux plus jouer mon piano comme avant, moi. C'est vrai? Ça fait longtemps que t'es pas entendu jouer tes grands morceaux que t'as pris de ton père. Quand ce que je joue à cette heure, ça sonne juste comme les Beatles. C'est quoi? Les Beatles. C'est quoi? Les Beatles! Oh, les Beatles! Or, je suis contente de me vanter que je vais t'en mal. Des fois, mon neveu va mettre ses tunes de hippie sur mon stéréo. Or, j'arrache mon hearing aid, puis tout est OK. Mais bonjour, Père Pierre. Bonjour. Encore des petites misères, hein? Oh, rien que je pouvais pas en venir à bout. Hein, Bertha? Le bon Dieu va vous aider. Est-ce que je peux rentrer tout de suite? Oui, vous pouvez entrer. Entrez. Bonjour, docteur. Mais bonjour, frère. Je voudrais vous parler de votre fils. Votre plus jeune fils, Bernard. Ah, vous savez, Bernard n'est pas dans la région. Je trouve pénible d'être obligé de vous dire moi-même, et non lui. Mais Bernard est ici depuis 3 jours. Vraiment? Ça me surprend. Aussi, il habite avec une fille de mauvaise réputation. Qui vous a dit ça? Les paroissiens du village.
Anastasie? Hello, madame. Tu sais pas quoi? Non, quoi? Je t'ai su le docteur tantôt, Pé. Pour tes doigts? Ouais, mais où m'étais? Ça va garder. Oh, puis Pé Pierre arrive pour voir le docteur. Vraiment? J'avais essayé d'écouter, puis je crois avoir compris de quoi. Père, maman, la capricine? En tout cas, je les ai entendus parler de Bernard et Carol. Les parents de Bernard sont à la maison du côté. Quoi? Ouais. Les parents sont sur Bernard? Ils sont droits à la porte. Séraphie va. Séraphie va suivre? Ouais. Ben, j'y vais. Bye. Zachary, voudrais-tu monter ma table dans le four dans 20 minutes? Dis-moi point que tu vas faire ta Sherlock Holmes encore. Arrête de te lamenter puis regarde le beau temps qu'il fait dehors. Tu vas te mettre dans de la merde dans le four, je t'ai batté. Pense-y pas, on t'aurait une autre attaque d'une sœur. Il n'y a pas de bibe, seulement de la cochonnerie. Je ne sais même pas si ça rappelle ce qu'est une bibe. Bernard, y a-tu déjà un bébé? Ça n'ira bientôt. C'est peut-être notre voisine du monde qui veut t'aimer. Bernard, va voir. Oh, maman et pape, comment ça va? Vous gardez que ces deux jeunes-là pourront pas ramper des patates comme nous autres. Au moins, ils devraient avoir de l'expérience à ramper avec les yeux formés. Oh, moi, gars, t'as des mauvaises pensées des fois. Zachary me dit tout le temps que ça t'arrête de biaiser. Si mon Henry avait été moins ignoré, on aurait peut-être bien une bonne vie ensemble. Dans le lit? Oh. Oui, je croyais qu'elle n'a jamais s'en aller. Il nous aimait moins que... T'es sûr qu'il y a une condamnée plus que ça? Si tu n'aurais pas fait ton choix de beau petit gars, vous vous auriez oué là à la première vue que je suis sûre. Cheer show. Tu peux compter des mentries à tes parents, ma pointe à moi. C'est pas des mentries, c'est de même viser tout le temps parler. Faut voir te cacher sous une roche. Tu les empies de mal pis tu le sais. God damn, que tu puisses aller rester avec tes parents. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Les chans sont assez éduqués à bout, les gars qui croient en un pour le costume. Dis. Oh, belle, l'expérience de la vie, ça vaut plus qu'une fois encore aider une école. Hey, arrête ton nom. Assez point, t'as sorti l'oste que tu sais que t'as tort. Hé, point tôt, tout que vous l'avez dit, c'est que tes parents sortent au point sur du lit pour voir ce qui se passe. T'es chanceuse que je t'ai amené à Vancouver. Oh, j'aurais pu me trouver n'importe de chose au jackass pour m'amener au West. Astor, tu m'appelles un jackass? Tu vas, Julien? Hé, hey, arrêtez. Vas-tu te taiser? Écoutez-moi. Oh, je me fermerai pas la gueule pour toi. Tu crois que t'as besoin des gosses que moi, ben, pas te dire. C'est carré de quoi tu m'en veux. Puis là, tu pourras sauter sur tous les petites gosses du village si tu veux. Vas-tu taiser? Il est bon. Le salaud. Téléphonons les cas. Non. Je n'entends plus rien. Elle est peut-être morte. Ouais, c'est simple. Ils ont vraiment disputé comme ça, bien, moi, m'excuse.
Puis non, mais je vais traiter des codes neufs. Si tu me bois un petit bec, ouais. Les moules sont toutes tuées? Ouais. Hello, ma'am. Ma Carol. Garde ton petit frère. Je l'ai envoyé Richard. C'est à toi? Je l'ai eu par surprise, mais je l'aime en pareil. Oh, il est petit point cute. Laisse-moi l'essuyer. Marade, Bernard, je l'ai fait manger. Reste-moi de quoi de bon, moi, V7. T'es encore généreux, hein? Il a point formé de manière. Ben, tu ressens bien non, master? C'est-tu Carol qui t'a mis de main? Alors, idée. Papa est ici? Il est couché sur le sofa dans l'autre botte. Ben, alors, Agathe, qu'est-ce qu'il t'amène ici? Ben, j'ai vu le rideau rouvert, puis j'ai pensé que je rentrerais voir ton bébé avant d'aller au bingo. Il braille moins de master qu'avant. Oh, il est qui point cute. Il semble juste son père. Trop, tu trouves? Oh, oui. Laisse-moi le chat. Juston est ici? Oui, il est parti dans l'autre chambre. Oh, il a pied en courbe? Non. Oh, je voulais rien savoir s'il était sorti avec mon Zachary. Zachary n'a pas venu ici, ça fait un bon mois. Oh! Je crois bien que Madeleine va vous faire un bon repas. Même une bonne cuisinière. As-tu faim, Agathe? Oh non, Zachary m'a fait cuire un. J'ai fait un bon gros repas pour Zachary de soir. Il n'a pas venu, ça fait que je vais manger pour deux. Eh bien, s'il vient ici, il dirait que tu le cherches. Oh, laisse faire. Ben, grand Dieu du ciel! Regarde le temps, il faut enlever mes bottes, je veux pas manquer le bingo! Ben, tu reviendras! Bye! Bobby et Wayne, venez manger! Entrez. Bonjour, madame. Bonjour. J'étais pour le voir toi et tout? Pour voir qui? Le prêtre. Non, c'est moi. C'est toi quoi? C'est moi, le nouveau prêtre. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. Assoyez-vous, madame. Merci. Je me présente. Je suis Agathe. Puis vous, vous êtes Père Marlin, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben, je suis curieuse, vois-tu. Quand vous allez commencer les messes? Dans 3 ou 4 jours, je dirai ma première messe au Cap, près d'ici. Oh, vous allez dire une messe pour un malade? Non, non, pour le public à l'extérieur, sur le Cap. Mais t'as pas remarqué l'église juste ici? Elle est justement là pour faire des messes dedans. Oui, je comprends. Chez vous, ils faisont-ils les messes sur les champs? Non, non, mais une célébration peut se faire n'importe où, même dans une grange. Parmi les vaches? Et les chevaux. Et les cochons? Pourquoi pas, si le besoin est là. Mais t'as pas peur que ça soit plus de la religion, ça? C'est quoi la religion, d'après vous, madame? C'est sacré. C'est respecter Dieu. Vous devriez savoir, vous êtes un prêtre. J'ai une autre question. Comment est-ce que tu vas faire les mariages? Je ne sais pas encore. Vous viendrez voir.
Il y a souvent des mariages dans cette paroisse? Assez souvent. Je vais t'avertir et tout de quoi. Il y a un jeune gars et une fille qui sont pas mariés, qui vivent d'une maison en arrière du village. Quant à ça, ils désarment pas vraiment de se marier non plus. Ils veulent se marier? Non, justement. Alors, c'est à eux de choisir. Quoi? Pardon? Sa belle princesse partie dans son palais noir. Oh, testa. T'es trop pressé, mon homard. Tu largues la poignée, là? Oh, je veux que tu l'amènes avec moi. Oh, t'as pas l'air d'une poignée de porte dans ton lit. C'est vrai, t'en as rien de toi. Ma petite salope, tu l'as larguée. Oh, belle, oh. Mon prince pourri. Qu'est-ce que ça, ça sera bon à cette recette? C'est peut-être Dennis. Il n'y a pas sauvé de homard. Faut aller voir. Mais allô, les jeunes! Croyons que c'est à Dennis. Qu'est-ce que tu veux? Ben, je voulais vous vendre chaque ticket si vous en vouliez. On point assez d'argent pour mettre là-dessus. Oh, vous avez pas pu vous trouver un job au West? Ça coûte cher pour vivre, là. Ben, ça ici, ça te coûtera pas cher, rien que 50 cents. Qu'est-ce que c'est pour? C'est pour notre club de femmes. Telle s'intéressera plus ta femme. Un goût de séance, Bernard. Rente. Faut en prendre deux. As-tu une plume? Une plume? C'est pas une poule, ça. Ouais, t'en. Si. Ah! 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 Bon. Une pièce, s'il vous plaît. Manque point à moi, c'est la poule qui a les oeils. Une pièce. Marchez, vous avez donné pour la cause des femmes. Et vous savez que le prix, c'est que vous gagnez. C'est beau, c'est quatre belles outfits et puis une belle grande crêpe. Oh, ben, je pourrais mettre la poule dedans. Faudra absolument que le prêtre ne lui parle si ça peut. Il parle dans la tête de ces jeunes-là. Arrêtez-le tantôt, puis je croyais qu'il allait m'attaquer. Ils sont revenus? Ouais, ils sont levés. C'est noir. Ils sont dans le couchoir. Hein? On peut jamais dire qu'est-ce qu'ils seraient en train de faire. Oh, moi, ils me faisaient peur. Faudra peut-être les reporter au capasteur. Non. Ces jeunes-là avaient encore besoin de l'aide. C'est pas dans les faisant sortir d'ici qu'il y a au diarrhée. C'est ça que tu crois? Avant que les copes venaient, le Fox Station, le brosse au plus de marques qu'il avait au brosse et au castel. Eh bien, j'étais! Non, ça sera trop tard! Carole, tu me dis qu'est-ce que tu fais? Moi? Je ramasse les pommes. Tu te tires dans les amours, moi? Oh!
Oh! Ah, tu m'as manqué de fois, là. Réveillez-vous! Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, sacré, mon homme va me tuer. Mais voisin, qu'est-ce qu'il allait dire? Non, c'est pas ça. Quand tu vois dehors. Ça s'amuse comme des cerfs dopés. T'es-tu blessé? Oh, coat. Ça fait-il mal? Oui, j'ai peur du souffle. Fait-il de l'artificial respiration? Non. C'est une drôle d'affaire, il arrête trop en avant qu'il se faisait mal. Il fera l'amour n'importe où, ce monde-là. Ça revient tout le temps à votre chien. Qu'est-ce que le car qui s'en va par là? C'est ton homme, Sarathy. Es-tu sûr? Non, c'est Pierre Marlin. Tu es? Qui c'est que c'est? Je sais pas. C'est vous deux, Bernard et Carole? Oui, puis toi? Je suis votre prêtre nouveau, Pierre Marlin. Je vois que vous vous amusez bien ici. Oh, c'est Carole et cette-là qui fait ça simple. Si vous avez bon en le faisant, c'est ça qu'est l'amour. Elle peut faire mal des fois, l'amour. Qu'est-ce qui se passe avec toi? Oh, rien. Je suis seulement venu comme ça. J'aimerais de rencontrer tout le monde de la paroisse. Oh, tu viens point de Paris, ça? Non. Originellement du Nouveau-Brunswick. Connais-tu Caraquette? Oh, oui, oui. Bois-tu une bière? Ben oui. Qu'est-ce qui vous a dit qu'il était? Vos parents. Ah, ils sont inquiets. Oh non, ils commencent à comprendre votre point de vue. Ah. Peux-tu rentrer une minute? Ah oui, il ne faudra pas que le monde croie qu'ils avons un prêt dessous. Moi, j'ai confiance dans le prêtre. Tous les prêtres font des sacrifices pour aider aux autres, même boire une bière pour se faire accepter. Moi, c'est le contraire. Je suis pas ce jeune prêtre-là. Ben, tu le connais pas. Ma pensoire, il paraît la même âge que nous. Une personne jeune de même peut pas être assez qualifiée pour pouvoir tiendre une grosse paroisse comme ça, c'est devant, c'est sûr. Marie-Dieu, ça c'est une frotte. Je sais pas comment est-ce qu'il peut fier sa girlfriend tout seul avec un étranger. Ils me faisons pitié. Ça fait trembler le ciel et la terre. Pardonnez-la. Moque l'espoir, ça c'est allé sans rien en faire. Oh, si elle a bien le cœur de mon homme. Je téléphone Ludy. Bien risque Stockholm. Elle pourra nous dire par où est-ce qu'il allait. Allô, Ludy? Es-tu proche de vite? Non. OK. Ici? Ben, il y a Sarah Fiegate. Oui, je suis venu demander si tu pourrais nous aider. C'est le jeune prêtre. Oui, il est parti par le village avec la fille à Bernard et puis. Quoi? Il va être passé? Oui, à gauche. Non. Dis-moi non plus, je le fais point. Je sais pas pourquoi tu nous avais envoyé une fête demain. OK, oui. Va faire pisser là, vu mon prix, bye. Qu'est-ce qui reste plus loin? À Saint-Ouen-Céline. Bonne idée. Allô? Allô, Céline, es-tu là? Non, c'est pas le dernier, c'est pas que la maison précise. C'est bon, bye. Céline, je suis pressée. Sonia? Non, pressée de trop. Allô? Oh, c'est toi, Annette. Pourrais-tu recoller plus tard de la visée? Quoi?
Rudy va te coller. Oui. Puis. Oh, ben, c'est Marie-Moune. Écoutez, ça, c'est les girls. Carole et Père Marlin sont arrêtés sous docteur. Oh, je le savais. Quoi? Chut! Quoi, net? Ils sortent de la car à cette heure. Carole se tient le ventre. Oh mon Dieu! Croyez-vous que la famille, c'est qui ça? Qu'est-ce qu'ils veulent, dernier morceau? Moi, je peux plus, je vais bosser. Je crois que je vais être malade, le cœur me lève. Rien qu'à passer à cette jeune fille-là, là, j'ai mal au ventre. C'est drôle qu'elle a resté dans cet office-là une heure et demie. J'ai peur pour ses parents. Oui. As-tu encore mal au cou? Monastère. Ça va guérir. Il n'y a pas un grand train là. Ça fait penser à l'entarmée. Il y a des mois que j'en ai beaucoup depuis 3 ans. On dirait pas ça que du temps ça peut faire. Ah, comment c'était auparavant? J'avais des gros times avec beaucoup de monde, de la musique et tout ça. C'était qu'on dirait que le monde en vieillissant perd son intérêt. Même les gossipers ont pris à se dire les pauvres. Il n'y a plus rien qui se passe. Agathe, ce n'est quoi à le vide. Et toi, au point d'astuce, il fait noir. Quoi ce que tu dis? C'est malhonnête, ça. Sarah-fille est plus jeune que moi, hein? Va y voir, toi, Sarah-fille. Là, je veux rien dire. Mon cœur peut manquer aussi vite que le chum. Si elle y a là les trois, ça serait-il pas mieux, ça? Si tu voulais arrêter de galoper! Qu'est-ce qu'on arrivait? Taisez-vous! Agathe, jusque dans le job que t'es! Attends, je t'éveille! Allez-vous arrêter de parler folle! Oh, je suis apeurée! Moi, je m'en vais! Ça, c'est point bon! Je fais son passer d'y revenir! Ouais, si c'est. Tu restes! Je suis rendue! Une vie droitissette! Personne. Il y avait quelqu'un. Croyez-vous que nous avons vu? Non. Je suis trop vite pour jouer. Puis Agathe, qu'est-ce que tu as vu l'autre bord David? Rien. Vous avez dit que mes lunettes étaient en salon. Oh, belle! Ben, je suis folle de vous écouter. Moi, je m'en vais me coucher. Jette-moi, Agathe, je m'en vais moi et tout. As-tu aimé ce que vous allez demander? Deuxième. Ils ont dû venir à la première messe. Ça a mardé, ouais, près de demain. Ils ont dû sortir du tas de soprano. Je suis sûre qu'ils nous regardent quand qu'il a parlé des espions de nuit. Il est frotté. Et puis pressé, je suis sûre qu'il y a de nous autres.
votre point de vue? Oui, monsieur est bonne. Quoi? Oui, tout le monde est d'accord sur ce point-là. Non, pas du tout. Samine ne m'a pas humilié une miette. Il aurait cassé de nous faire passer pour des folles, mais crois-tu que ça travaillait, toi? Merci, Cécile. Je l'ai mon point non plus. Hein? Vraiment? Oh, ben, ça que j'ai. Quoi? Ouais? Voyez. OK, j'ai. Les girls, vous savez que Cécile reste juste aux côtés de la maison à Dr. Nicolas? Pis quoi? Écoutez, Cécile, je le dirai rien qu'une fois. Bernard, Carole et Père Malin arrivent aux côtés à Vaine. Cécile est partie venir chez eux pour écouter s'ils disent autre quoi rentrer dans la rue. Oui, chacun y sait. Quoi, ça sera bon? Faut que je le sache. Hé, hey, Cécile, je vais plein. Allons aller checker. Tiens la ligne, puis mets ce qui s'obtient, dis-la à Gap. As-tu compris? Hein? T'arrêtes de tchèdre la ligne, pour être t'en parles, Nanny, si t'arrêtes de découvrir. Séraphine, suis-moi. Et you? Marc, pour être question, vite. Cécile, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi l'anesthésie. Non, pas dans ce lorry-là qui va nous sauver la peau. Comment est-ce que tu vas rentrer? Par la porte de derrière. Ah! Faut qu'il décolle l'eau vite. Un appartement, quoi? J'ai vu l'instrument, moi et tout. T'avais pas remarqué la petite là-dessus? Ben. Oh, ça, c'est là encore sur le téléphone. On avait savoir, tu sais. Laisse t'en venir. Il s'en venait. Voyez-vous? Astral ventre. Le scandale! Faut les suivre! Va chauffer ta car! Allô, Cécile? Oui, t'as bien compris, c'est un avortement. Un avortement? Un avortement? Oh mon Dieu! Quoi? Le vin à Bernard et à la côte sud Denis? Faut faire de quoi vite. Je laisse au point, Cécile, de passer sans publicité. Point de cas. J'ai dit non. Faut que je les attrape. Téléphone les femmes. Vous autres prenez votre place à la côte. Nous autres allons suivre le prêtre. La diarrhée est commencée. Détends vite, Agathe. Il a quand même fait la quête. Ils n'ont pas peur de rien du tout, ça. Alors, Jack,
push here, d'accord? All right, I can. No. Besoin de se faire redescendre. Des gonciperies, il y en a partout. Ben, moi, je crois que